Laetitia, chérie, va te recoucher, il est 4 heures, là. Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, c'est rien, c'est Paul qui a encore fait le coup du réveil à sa sœur. Il est chiant. Ah là. Tu peux déposer Jules à l'école, ma chérie. Hein? Là, tu peux aller déposer Jules? Oui, oui, d'accord. Merci. Gabi, je peux te confier un truc qui m'inquiète un peu, sur moi? Ouais, vas-y, bien sûr. Ben, en fait, à chaque fois que je dépose Jules à l'école, le matin, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai un pincement au cœur, quoi. Ouais. J'ai l'impression que je l'abandonne. Tu vois, que je le lâche comme ça dans le grand bain, et ça me... C'est pas ça, à chaque fois, ça me... C'est pas normal, quand même, ça. Allez, allez, mais si, c'est normal. Bien sûr que si, c'est normal, chatoune. C'est vrai? T'es sûr? Mais oui. Tu me disais déjà ça pour Paul et Laetitia. Mais c'est pas vrai. Laetitia, il est où, mon pull en cachemire? Combien de fois je t'ai dit que... Il est là, mon pull, allez, tiens. Combien de fois je t'ai dit que celui-là, c'est non? D'accord? T'as vu dans quel état il est, là? C'est du cachemire, Laetitia. Tu respectes pas les affaires. Tu sais combien ça coûte, du cachemire? Tu crois quoi? Que ça pousse dans les armoires? Mais c'est bon, ça... Non, c'est pas bon. Tu pourrais au moins demander. C'est une question de principe, de respect. Le respect de la propriété d'autrui, ça te parle ou pas? C'est pas possible, ça. Mon armoire, c'est mon espace. Et ton tas, là, c'est ton espace. Parce qu'on commence par piquer les fringues de sa mère, et puis après, on vole dans les magasins. Voilà. Isa, t'aurais 10 euros pour la sortie de Paul? Mais je sais pas. Prends dans la tirelire de Jules. Ok. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Chatoune, t'es sûr, tu vois rien? Non, non, ça va, Minou. Faut que je fasse un peu attention, là. En plus, on va dîner, alors. Non, attends, écoute, commence pas, je te connais, hein. Si tu veux, je te prépare un truc, puis voilà. Ça va, j'en prends une. Tu me gonfles, hein. Non, mais c'est quoi le problème que vous avez avec ça, les filles, quoi? Tu penses que c'est en piquant dans mon assiette que tu vas pas grossir, c'est ça? Ouais, exactement. Parce que tout ça est très psychologique, en fait. Là, tu vois, je trompe les cellules graisseuses. Si ça marche, j'écrirai un bouquin. Ça s'appellera Le régime du leurre. Tu crois qu'il y a combien? Je sais pas, je dirais entre la petite souris et Noël, 40 euros. Ah, c'est bon ça, 40 euros. Bon, elle est où, cette dernière? Logiquement, sur le bureau, là. Là. Ok. Ah, il a mis son alarme Playmobil. Mais c'est pas grave, je sais comment la débrancher. Minou, tu peux m'attacher, s'il te plaît? Ouais. J'adore. T'es très belle. On y va? Non, mais je peux pas y aller comme ça. Tu vois bien, j'ai grossi, là. Oh, qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle dans cette robe, c'est parfait. Mais non, elle me sert, là. Puis là... Tu peux le dire, hein. Tu sais que j'ai grossi. Ça te dérange? De quoi? Bah, que j'ai grossi. Mais non, tu sais bien. Ah! Quoi, ah? Bah, c'était un piège, t'es tombé dedans. Tu viens de dire très clairement que j'ai grossi. Je te remercie, tu choisis très bien ton moment. Non mais c'est n'importe quoi, j'ai rien dit là, t'es dingue. Excuse-moi, je te demande si ça te dérange et tu me dis non. Donc implicitement, tu reconnais que j'ai grossi. Je te donne un exemple, si t'arrives et que tu me dis « Oh là là, Minou, je perds mes cheveux » et que je te réponds non, tu comprends quoi? Bah que tu perds tes cheveux, mais que ça me dérange pas. Alors que si je te dis « Oh non, mon amour, mais tu sais, tes cheveux, ils sont tous là, puis ils sont beaux », c'est très différent, non? Je perds mes cheveux? C'est pas grave, Minou. Ça me dérange pas du tout. Non, mais ouais, bah, d'accord, chatoune, ok, ça marche, d'accord. Non, mais de toute façon, y a pas de problème, je suis là, je gère. Hein. D'accord, tu me tiens au courant, hein? Des nouvelles? Ok, ça marche. Je t'embrasse, je t'aime, bisous, chatoune. Bon, les enfants, maman ne rentre pas ce soir. Grève des trains. Quoi? Mais oui, elle espère pouvoir rentrer dimanche. Comme par hasard, pile quand on devait aller faire les soldes. Ouais, puis comment on va faire pour mes maths? Et mes poux?
Bon, écoutez, ben les enfants, je suis là, moi, donc Laetitia, je t'emmène faire les soldes demain, Jules, l'époux, c'est pas très compliqué, un champagne, je vais y arriver, hein. Puis je te rappelle que j'ai eu 17 en maths au bac, bonhomme. Ouais, au siècle dernier. Et je t'entends, hein, oh, Paul, je t'entends, là, hein, puisque je vous dis qu'on va s'en sortir, enfin. Non, mais papa, maman, elle nous abandonne deux jours sans adulte, ça se fait pas. Sans adulte? Mais ça commence à bien faire, hein. Mais je m'en fous, moi, je vais dans ma chambre, puis si vous avez besoin de moi, vous avez qu'à m'appeler. Ah oui, d'accord. Ah ben moi, c'est plateau télé, là, tranquille, ouais. Ah ouais, je suis bien, là, ouais. Ah mais ça fait du bien d'être un peu seul. Ah oui, vraiment. Non, je... Ah bah oui, là, je vais bien dormir. Hein. Ah bah c'est sûr. Hein. Mais vous avez pas eu de bouchon, vous? Non, ça a été sur la route. Ouais, ouais. Vous avez ça à rouler. C'était... En fait, c'était fluide. C'était fluide. D'accord, gars. Bah j'espère que demain, ça va rouler aussi. Hein. Bah je pars après le boulot, hein, comme je t'ai dit. Bah ouais, ouais. Dès que j'arrive là-bas, bah, je t'appelle quand je suis à 10 minutes. Je te passe un petit coup de fil. Ouais, ouais. D'accord. Ça marche. Les enfants, ça va? Ah bah oui, je t'ai demandé, c'est vrai. D'accord. Okay. Bon bah, je te fais des bisous, chatoune. Voilà, je t'embrasse. Bisous, bisous, bisous. Chatoune, 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 chatoune. Non, rien, non, rien. Bisous. Ouais, allô, maman? Ouais, c'est Gabi, ça va? Ouais, non, bah, je me fais un petit plateau télé, là. Ça va? Il pleut chez vous? Parce que chez nous, c'est... Ah ouais, il pleut. Est-ce que papa fait toujours du VTT?